l'élixir de Sokolov, on... Très bien, l'ami. Martin a prévu notre prochaine action. Il y a une note dans le journal de Campbell indiquant que la maîtresse du Lord Régent a posé pour Sokolov, le peintre et médecin royal. Il pourra nous donner son nom. Sokolov vit la moitié de son temps à Caldwin's Bridge, de l'autre côté de la rivière. J'ai bien peur que vous deviez vous rendre là-bas sans plus tarder, tant que Sokolov se trouve dans ses appartements sur le pont. Samuel peut vous rapprocher du pont, mais vous devrez trouver Sokolov. Ramenez-le ici intact, et nous pourrons établir notre prochaine action. J'ai encore du mal à le croire. Évader de Coldridge, neutraliser le grand superviseur, retrouver Emily. Je suis drôlement fier, vous savez. C'est tout maintenant. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Je viens de me rendre compte que mon micro était désactivé maintenant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va, je m'en suis rendu compte assez rapidement quand même. Réserve de... Rune, voilà. Je pense que là, il y a de quoi faire. Pouvoir. J'ai 3 runes. Voilà, charme douce. 7 sur 7. Samuel. Je sais, vous avez peu de temps, mais pensez à améliorer votre équipement. Cap sur Caldwin's Bridge. On dormira plus tard. Allez. Allons voir ce médecin royal. Encore une fois, n'hésitez pas à vous manifester sur le chat. Je regarde, j'ai un visu sur le chat, quoi. On vous a demandé d'un... Nanana, ok. On va enlever Sokolov en fait là. Le ramener avec nous. Qu'en dites-vous, Gorbeau? Caldwin's Bridge. Il paraît que vous passiez tout votre temps à Dunwall Tower avec l'impératrice. Alors c'est peut-être la première fois que vous venez au pont. Si je peux me permettre un conseil, vous voyez ces lumières sur l'eau? Ah ça, on serait repéré à coup sûr. Faudra trouver le moyen de les éteindre avant que je vous récupère. Au fait, à propos de ce fameux Sokolov, c'est un malin. Peut-être encore plus que Pierrot. Il a toute la ville à sa botte avec ses histoires de philosophie naturelle. Nouvelles technologies, potions, et j'en passe. À votre place, moi je me méfierais. C'est vous qui voyez, hein. On y est. Je vous attendrai aux arches sous les logements de Sokolov dès que vous serez prêt. Enfin, si vous éteignez d'abord ces projecteurs. D'accord. J'ai pigé. Pas la peine de hurler. On le dérouille et c'est mort. Ok, alors, oui. Citoyens et visiteurs de notre ville, sur l'injonction du régent, le couvre-feu est sonné. Caldwin's Bridge est fermé au public jusqu'à la levée du couvre-feu. Votre attention, citoyens. La circulation est interdite sur Caldwin's Bridge pendant les heures de couvre-feu. L'interdiction sera levée demain matin à l'aube. Thank you.
Ok. Hop, puis on le balance dans la petite poubelle. Et lui aussi. Bon, mais du coup, on va pouvoir voir s'il y a des trucs ici. On va monter en haut histoire d'avoir un peu de hauteur. Un peu de hauteur, c'est mieux quand même. C'est pour appréhender les choses. Plein, yes. What the fuck, je peux pas. Ah bah si, ok, je te bais. Comment brain toute la planète. On attend que ça recharge. Et visiteurs de notre ville. Sur l'injonction du régent, le couvre-feu est sonné. Ça, c'est fermé de l'autre côté. Caldwin's Bridge est fermé au public jusqu'à la levée du couvre-feu. Ok, d'accord, il y a des barrières. Votre attention, citoyens. La circulation est interdite sur Caldwin's Bridge pendant les heures de couvre-feu. L'interdiction sera levée demain matin à l'aube. Ta sœur avait quel âge? Ferme-la. Ah oui, mais attends. Hop. Voilà. C'est bon.
C'est bon. Continue de chercher. Wesh, wesh. C'était sûrement rien. Par les yeux de l'outsider, je commence à avoir peur. Redis-moi ce que tu ferais si Sagjo et ses gars de Bottle Street t'attrapent. Tu ne feras toujours rien. Ok, ils s'en foutent. L'injonction du régent, le couvre-feu est sonné. Allez, exactement, allons-y. Ah, le stream s'est coupé. Non. Non, non, c'est bon. Eh bien, monsieur Pratchett, les gens fortunés comme vous ont besoin de la garde urbaine. Les voyous mettent la ville à sac. Et les géniards, pardon, les pestiférés sont pires. Pensez-vous vraiment que le régent ait tort d'imposer un couvre-feu? Épargnez-moi vos leçons de morale, officier. Ne vous en faites pas, je me débrouillerai. Un homme avisé s'en sort toujours, épidémie ou non. Eh oui, comme ce Sokolov. Il n'a pas à se plaindre avec tous ces objets exotiques qui circulent par chez lui à tout bout de champ. Exactement. C'est ce qui vous tient à flot. Pourvu que ça dure. Si par exotique vous entendez sordide, nous sommes d'accord. Le médecin royal s'en sortira aussi, à moins de contrarier la mauvaise personne. C'est qui lui? Ok. Donc c'est son appartement. Lui apprendra à me battre au... Qui est là? Où est ce... Ah, il y en a deux en plus. Il y en a deux ici, il y en a deux. Oh, fuck. Souvenez-vous de la vérité des peintures. La voie de la vérité commence dans les rues noires du monde. Continuez jusqu'à ce que vous voyez un baleinier à l'encre et de le trouver la boîtier. Rue sombre, baleinier, ça ressemble à une énigme. Il y a des tableaux quelque part. Attends, rue sombre. Il doit y avoir un tableau au premier étage. Ou un truc comme ça, je sais pas. Des rues. Des rues sombres. 4. Quatre, sept. On va voir si c'est ça. Mais... Quatre, trois. C'est pas ça.
Note. Alors, la vue commence dans les rues noires du monde, continue à ce que voit un baleinier à l'encre. De là, trouver l'abattoir de la vérité. 4. 7. Mais l'autre, c'était quoi? C'était un abattoir. C'était pas un abattoir, l'autre. 4, 7, 3. Ah oui, si. Voilà, nice. On a réussi. Rune 24, ok. 24 mètres. Wesh. On a attrapé la merde. Voilà. Ah, on a trouvé un hôtel. Salut Sarina. Les rivières changent. Bonjour, bonjour. Et tous les ponts finissent un jour par s'effondrer. Il y a 1000 ans de cela, existait une autre ville ici même. Exactement, les tout à fait. Les habitants façonnaient des runes avec des os de baleine. Ouais, toi, en revanche, t'as une sale tronche, en fait. Hein. Les enfants en trouvent encore. T'as une sale tronche. Je te le dis comme ça. Faut que tu sois prévenu. T'as une sale tronche. Mais il ne possède pas tes talents. Mais il... Seuls ceux qui sont choisis et qui portent ma marque. Ceux qui sont choisis et qui portent ma marque peuvent accéder à leur secret. Sokolov pense qu'il existe des rituels pouvant me contraindre à apparaître devant lui. Il fouille dans de vieux temples pandiciens et dans les sous-sols en ruine du quartier inondé. Il pratique des rituels abjects au-dessous de la vieille abbaye. Mais s'il veut vraiment me rencontrer, qu'il commence donc par susciter mon intérêt. Bonjour. J'adore les names, j'adore le riz et j'adore tout ça, quoi. Hop, on va boire de l'eau, ça ne sert à rien. Hop. Oh, la violence, d'accord. Je m'attendais pas à une telle violence comme ça. Alors ok, là c'est le gars que j'ai mis en PLS. C'est quoi cette violence, Sarina? Je peux pas passer par là, ce sera 10 fois plus facile. Plus d'un lait qui est pareil pour les perles. Ah, je veux bien. Ah non, je croyais que c'était une flèche. What? Okay. Il nous a fait toucher le chargeur avant d'aller au quartier prétorien. Parfait. On a déjà perdu assez d'hommes à cause des pylônes. Pense à toucher le chargeur quand l'agent passe avant ton tour de garde. Pour que tu sois pas électrocuté. Ça me fiche les jetons, ces foutus engins. Tu seras bien content de les avoir par l'état de slack jour à Picron. C'est toujours un plaisir de les voir griller. À une époque. Mais wesh, ils s'en foutent ou quoi là? Bougres savent qu'ils ne feront pas de vieux os. Et ils n'ont plus peur de rien. Mais wesh, ok, ils s'en foutent totalement en fait, d'accord. Wesh, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Putain, il faut que j'apprenne à viser par contre. Ah, je vais vous trouver. Je sais que vous êtes là. Wesh, mais ils s'en foutent des explosions, mais what the fuck? Ah non, voilà, ils s'en foutent pas. Où êtes-vous? Je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là quelque part, ordure. Cause toujours. Ah, j'ai pas assez de possession. Fuck me. Fuck me. On sait que vous êtes là. Oh fuck. Oh la crotte. Bon ben là, rip hein. Rip la mission hein. Là, rip la mission. Ouais, du coup, il y a plus personne quoi. Ouais, c'est ça. J'ai buté tout le monde en fait. Il n'y a plus personne. Alors, on va se calmer madame Shetty Black. J'ai tout déglingué alors que je voulais pas, mais bon. Tant pis, hein. Ainsi est faite la vie. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait quoi en fait là? J'ai activé un truc, je sais même pas qu'est-ce que c'est.
D'accord. Mais qu'est-ce que j'ai activé au juste? Ah, il y a un passage entre les deux ponts, d'accord. Putain, du coup, je dois remonter tout là-haut. La précision d'un sniper. Aziz le sniper. Non ! Je sais pas si c'est là que je dois aller, mais... Ah si, c'est là, non? Voilà, c'est là. J'espère qu'ils vont pas voir le cadavre. Calmos, Ramos. Salut. Salut. Voilà, merci les gens. Quelques pièces et l'autre. Ah, l'autre il a carrément. D'accord. C'est bien.
Un peu de vie, ça ne fait pas de mal. Hop. C'est quoi ça? Non. Attends, on va vérifier qu'il soit bien tout seul ici. Ouais. Ah non, te mets pas comme ça, FDP. Du coup, je sais même pas ce que j'ai fait, mais je crois que j'ai arrêté les turbo compresseurs, je sais pas quoi là. Charme d'os. Et charme d'os, c'est pas vraiment ce qui m'importe le plus. Ouais, calmez-vous les gens. Ok. Oh, c'était encore chaud. Ah oui. Wesh. Pourquoi ils mettent la musique là, genre ils sont là. Partir ces rats à pitié. Ouais, ça n'aura rien fait.
Allez, crevez, crevez. J'en ai tué pas mal quand même avec la grenade, j'ai l'impression. Non, ils sont barrés. On va voir s'il y en a encore, mais je pense que c'est bon. Voilà, je pense que c'est bon. Merci de m'avoir. De rien. Je pensais être c'est à l'abri, sympa. Mais les rats ont rappliqué. Il y en avait tellement, ils ont tout envahi. Vous allez me trouver superstitieuse. Mais ils sont arrivés juste après le passage d'un homme qui trimbalait un genre d'amulette. On aurait dit qu'elle était en os. Mais il est mort, comme les autres qui vivaient ici. Ça va être ça, sûrement. Les autres sont toujours à ma recherche. Ah c'est bon, ils sont partis. Ouais. Allez, allez à l'extrémité nord, c'est parti mon kiki. Hop, voilà, charme d'os. Ah ouais. J'aurais juré avoir entendu que... chargé de protéger Sokolov et de veiller à ce qu'il poursuive ses recherches sans entendre. Ses cris prouvent assez bien qu'il est à l'ouvrage. Bref, c'est la preuve que je remplis ma part de travail. Non, il prouve que nous avons fait notre part de travail. Vous savez, gars. Ok, je suis rentré en 2 secondes. Faut que je le trouve maintenant. Cette salle là. Nice.
Non, c'est pas ça. Là, sécurisé de ouf son truc là. Je dois garder. Vous pensez avoir votre propre équipe après ce qui s'est passé cette nuit? Oui, bien sûr. Il dit d'apporter à manger, j'en apporte. Ah. Où est-ce que ça mène ici? Où est-ce que ça me mène? Je crois que je suis sur la bonne voie là. J'ai l'impression en tout cas. Voilà. Mes espoirs reposent à présent sur la Formule 25. Après le dernier volant céleste, son potentiel est formidable si je combine un traitement thermique qui m'est venu en rêve la nuit dernière. Quant au sujet numéro 312, compte tenu de sa desquamation caractéristique, elle devrait mourir demain dans la matinée. Pitié, laissez-moi partir. Ah, vous êtes payé. Comment allez-vous? J'ai attrapé la peste. Pitié, je ne veux pas mourir. Du calme, personne. Merci, qui que vous soyez. Me garder en cage, comme un animal. La douleur est insupportable. Je vais me cacher dans un coin en attendant d'aller mieux. Ici, Sokolov. J'ai bien avancé aujourd'hui. Le sujet 312 décline rapidement. Comme prévu, la combinaison des formules 12 et 17 a grandement accéléré la progression de la maladie. Curieusement, les muqueuses respiratoires se sont couvertes de pustules grisâtres qui provoquent hémorragie et douleur en éclatant. Mes espoirs reposent à présent sur la formule 25. D'après le dernier alignement céleste, son potentiel est formidable si je la combine à un traitement thermique qui m'est venu en rêve.
Là, je vais le buter un moment. Bientôt. Ce qu'il y a d'intéressant ici, non? Ouais. Toi, viens avec moi, s'il te plaît. Le médecin royal en personne. Oh, je vous tire mon chapeau. Allez-y, embarquez-le. Allez, c'est parti. Ah, KO faible quand même, hein. J'en ai tué 13, mais j'ai eu un KO faible. Ouais, j'ai pas trouvé max de pièces non plus. Aménager une cellule dans l'ancien chenil avec des chaînes et tout. Ça va lui faire un choc de se réveiller dans la paille et la crotte de chien. Je me suis laissé dire qu'il avait connu pire. Alors là, je suis en 1080. Là, c'est la première fois que je stream en 1080 et pour l'instant, c'est plutôt cool. Donc j'espère que ça vous plaît. Jouer. Je doute qu'une douzaine d'hommes auraient fait mieux. Sokolov a des infos qui nous permettront de frapper le Lord Régent directement et ensuite de laver votre nom. Bientôt, nous n'aurons plus à nous cacher. Le médecin royal est brillant, mais il a fait l'erreur de protéger le Lord Régent. Sokolov nous a donné l'élixir, les machines de guerre. Il aurait pu faire de nous une grande nation. Il paie le prix de son allégeance envers un tyran. Je vous remercie. De rien. Si vous voulez dormir un peu, c'est le moment. Oui. Un peu de sommeil me ferait du bien. Corvo, réveille-toi. Tu faisais des grimaces dans ton sommeil. J'ai décidé de faire ma sieste dans ta chambre pendant que Calista prenait son bain. Elle m'a dit de venir ici en cas de danger. Calista viendra me chercher une fois sortie de son bain. Merci, Corvo. Je me sens déjà mieux. Ok, les gens, je vais juste couper le stream, histoire que pour l'enregistrement, ça soit stylé et tout. Je reviens instantanément. C'est juste pour couper le stream, pour l'épisode pour pas que j'ai de montage à faire et tout. À tout de suite.